Jupi. Oui, Honesta? Oui? Bonjour, bienvenue à Jeepette reçoit. Votre animatrice, Jeepette. Bonjour, bonjour et bienvenue à Jeepette reçoit. Je suis très contente d'être ici. Et aujourd'hui, j'accueille une personne vraiment incroyable. C'est une personne qui est très, très chaleureuse. Tellement chaleureuse que ça coûte rien de chauffage l'hiver même. C'est une animatrice, c'est une chanteuse, c'est une joueuse de badminton. Alors, on l'accueille, Mme Élise Marquis. Est-ce que je peux dire que c'est tout à fait une surprise pour moi? Ah oui. D'accord. Tu as vraiment une touche à toucheuse, hein? Oui. Tu fais plein de choses. Oui. C'est... Alors, bienvenue d'avoir pris merci d'avoir pris le temps d'être ici. Bien, ça me fait plaisir. Mais si tu n'étais pas ici, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais avec JP. Ah, avec oui. JP. Ah. Oui, il ne peut pas être là, je pense, aujourd'hui. Pas, ben écoute, il y a plein de surprises pour toi. Oui. J'espère que tu es prête. Oui, oui, je suis prête. Est-ce que tu es énervée? Oui. Tu peux l'être plus encore, peut-être. Oui, OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais avant, on va parler un peu de ton enfance. Oui, on va y donc. Ton enfance, comment ça s'est passé exactement? Très bien. Je sais que t'habitais à la Côte-Nord, c'est ça? Plus comme du côté nord de Boucherville. Dans le nord de Boucherville? Oui, c'est ça. La Côte-Nord de Boucherville. Okay. C'est ça, j'ai dans mes recherches. Okay. Là. Tes frères, tes soeurs vont bien? Je suis enfant unique. Ah, ben c'est étrange parce que j'ai une photo de ta famille. Alors, je sais pas si tu peux voir. Tous tes frères et tes soeurs réunis ensemble. Alors, on voit Georges, Pierre, Louis, Simone, ça te dit rien? Non, je les connais pas du tout, ces gens. Ben, je voudrais pas que tu renies ta famille avant Noël, là, parce que c'est vraiment mal dans ce temps-là. OK, mais toi, quand tu étais jeune, est-ce que tu aurais aimé plus avoir de blocs Lego ou plus de bonbons? Je sais pas. Ça t'a-tu manqué? Non, c'est ça, ça m'a pas manqué, ni un, ni là. Parfait. OK, mais parlons de chez toi maintenant. Okay. Tu habites un appartement de rêve. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. On a une photo, je pense, de chez vous. J'ai hâte de voir ça. Avec tes parents, puis tu vois, c'est tes parents avec ta tante. C'est même pas vrai! Tu vois, ton rideau, là, c'est très joli. C'est quel couturier qui a fait ça? Je sais pas, c'est pas chez nous. C'est pas chez vous? Non! T'es sûre? Mais me semble. Je suis sûre de... mais dans ce genre d'émission-là, vous donnez pas des cadeaux d'habitude? Oui, on a un petit cadeau pour toi. Écoute, t'aimes bien la thalassothérapie? Oui. Bon, ça consiste en quoi? Ça consiste en un week-end? Oui, ben pour faire des massages, des trucs parfait. Avec des algues. Ben écoute, moi, je t'offre un week-end de thalasso, t'es assis. Ah. Tu restes assis toute la fin de semaine. OK. Gratuitement, c'est à Beaumont-sur-Mer. Alors, tiens. Je m'en vais m'asseoir. Tu vas t'asseoir toute la fin de semaine. Ben oui, gratuit de thalasso, t'es assis. Bon, ben on va rester assis pendant à la poursuite de Carmen Sandier.